Après de nombreuses années de planification et de construction, Ramadichevi couvrait un sang plus tutelle à ses genoux, celui de Djerba. Un lieu comprenant des ateliers d'artistes avec un rayonnement international. Il réalisait ainsi son rêve le plus cher et concrétisait sa vision. L'avenir devait être heureux et couronné de succès pour tous ceux qui viennent épuiser leurs inspirations dans ce sens, y créer ou y apprécier les nombreuses représentations artistiques proposées. Ramadi était l'art et l'esprit de la raison, qu'il finançait avec ses fonds propres. Sa convivialité était légendaire. Célibataire et sans descendant, il considérait le centre d'Achérie comme son enfant, qu'il voulait offrir en cadeau à la postérité. En Tunisie, la fondation n'est pas une forme juridique reconnue comme un homme, et cela complique grandement l'organisation du soutien à ce centre culturel depuis sa mort soudaine. Mais nous sommes persuadés que nous devons respecter ses dernières volontés. Monsieur le ministre, l'année prochaine, lorsque nous célébrerons le 70e anniversaire de Ramadi, l'un des plus beaux cadeaux que nous pourrions faire à la Tunisie, à Djerba, à sa population et au monde de l'art, serait de ouvrir ce centre de culture. Ce serait un honneur et une reconnaissance pour Ramadi et pour son engagement en faveur de l'art et de la culture en Tunisie et au niveau international.